À la fin du 8e siècle de notre ère, une horde de païens déferle sur les côtes d'Europe du Nord. Les Vikings attaquent, pillent, massacrent, et à chaque incursion, leur légende s'affirme. C'était comme si les chiens de l'enfer avaient débarqué. Leur chef entre dans l'histoire de leur vivant. Ivar le Désossé, Éric le Rouge, Harald à la dent bleue. Tous se sont forgés un nom dans le sang. Aujourd'hui, nous mettons le cap au nord, à la découverte d'une culture imprégnée de violence, mais pleine d'ingéniosité. En route pour la forteresse d'Harald, premier roi chrétien des Vikings. Découvrons ensemble des vestiges cachés sous le bitume des villes modernes, ainsi que le navire de guerre qui a fait des Vikings des conquérants à part. Ils ont redessiné la carte d'Europe. À bord de leurs embarcations, les explorateurs vikings comme Éric le Rouge et Leif Erikson ont repoussé les frontières du monde connu. Aujourd'hui, l'informatique nous permet de visualiser leurs réalisations extraordinaires et de faire ressurgir des âges la civilisation des Vikings. Assassins, bandits, barbares, païens. Bien que la culture viking ait disparu il y a déjà 1000 ans, son image est encore bien vivace. Jonathan Foyle et Helena Amro sont sur les traces des vikings et du monde qui les a vus naître. Helena est archéologue et membre de l'Université d'Oxford. Elle étudie les cultures anciennes d'Europe. L'un des grands mystères de cette période, c'est celui de l'émergence des Vikings. Qu'est-ce qui a motivé leur conquête et leur installation dans d'autres pays? Jonathan Foyle est historien de l'architecture. L'étude des constructions anciennes lui permet de décoder la société qui les a produites. Être viking, c'est avant tout vivre en prise directe avec les éléments, la terre, le feu, le vent et l'eau. Pour les historiens, l'ère de la terreur viking commence précisément en l'an 793 de notre ère. Leur épopée s'ouvre par un raid sacrilège. Jonathan s'est rendu à Lindisfarne, sur la côte nord-est de l'Angleterre. Autrefois, un monastère se dressait ici. C'était l'un des hauts lieux de la chrétienté. L'image qu'on a des vikings est celle de pirates assoiffés de sang. Et cette réputation est née ici, à Lindisfarne. Le récit de l'attaque barbare de ce monastère s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Richard Oram nous l'explique. C'est leur premier raid sur un site important. C'est ici que l'enfer s'est déchaîné pour la première fois. Après ça, les gens se sont dit que l'apocalypse venait de s'abattre sur eux. Personne ne s'attend à un tel coup de force. Lorsque les navires vikings apparaissent à l'horizon, c'est le choc. Les moines du monastère n'imaginent pas que leur sanctuaire puisse être profané. Pourtant, il est clair que les vikings savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qui les motive? Le butin. Tout ce qu'ils pourront emporter. Les beaux objets en métal, bien sûr, mais aussi les esclaves, qui sont une marchandise très appréciée. Le monastère est réputé pour ses reliques et ses trésors. L'Église est convaincue que personne n'osera profaner un lieu consacré. Il n'y a aucune défense, c'est un monastère. J'imagine qu'il y avait tout de même un mur de protection, non? Comme celui-là, là. Oui, il y avait un mur qui délimitait le site. Il marquait la frontière entre la terre consacrée et le monde extérieur. Mais c'était plutôt symbolique. Depuis le point culminant de l'île, Jonathan et Richard tentent de se représenter la communauté sur laquelle la fureur viking s'est acharnée. Qu'ont vu les vikings en arrivant, il y a plus de 1000 ans? Absolument rien de tout ceci. Aucun de ces bâtiments en pierre, rien de la sorte. C'était une communauté monastique.
Entre l'église paroissiale et les ruines du prieuré, il y avait le monastère que les Vikings ont pillé. Il n'était pas en pierre, mais principalement en bois. Voici à quoi devait ressembler Lindisfarne en ce jour funeste de l'an 793. C'est un modèle de simplicité. Ces modestes bâtiments recelaient néanmoins des richesses qui avaient de quoi attiser la convoitise des païens. L'endroit n'était pas protégé. Les maisons étaient en bois. Autant dire que les Vikings qui ont débarqué, de 3, 4 ou 5 navires, n'ont pas dû rencontrer beaucoup de difficultés. Aucune. Rien n'était prévu pour leur résister. S'ils avaient eu envie de rayer le monastère de la carte, ils auraient pu. Les Vikings pratiquent le raid éclair. Ils fondent sur leur objectif, lancent l'assaut, tuent, pillent et brûlent. Le monastère de Lindisfarne est livré aux flammes. Les Vikings viennent de créer leur signature. Le moine Alcuin, qui est conseiller à la cour de Charlemagne, en parle dans ses lettres. Il a eu vent des atrocités commises ici. L'événement est consigné dans les annales et devient un fait historique. Que pense le reste de l'Europe de ces étrangers venus du Nord et qui sèment la désolation sur leur passage? En gros, les gens les considèrent comme des hordes d'antéchrist. Ce sont des païens. Ils massacrent des hommes de Dieu. Ce sont des barbares, des assassins assoiffés de sang et sans pitié. Le raid de Lindisfarne est le premier d'une longue série. Mais d'où viennent ces Vikings? Et où emportent-ils leur butin? L'archéologue Helena Amro est à Stockholm. Elle veut se faire une idée de ce que les Vikings ont rapporté de leurs incursions. C'est aussi l'occasion de découvrir la terre qui les a vus naître et la culture à l'origine d'une telle sauvagerie. Au Musée national des Antiquités de Stockholm, elle est accueillie par Kent Anderson. Nous avons là beaucoup d'objets. Ils viennent d'Orient et d'Occident. Comment sont-ils arrivés ici? Lorsqu'il s'agit d'objets rares ou liés à un lieu comme une église, par exemple, on peut penser qu'il s'agit du butin d'un pillage. Ça aussi, c'est un objet rare, sans doute pillé. Ça ressemble furieusement à une crosse d'évêque. C'est le cas, en effet. J'imagine le pauvre évêque irlandais qui s'est fait molester et détrousser de sa crosse. C'est une sorte de trophée, oui. Ce symbole sacré de l'autorité religieuse contraste avec d'autres objets beaucoup plus profanes. La collection du musée compte ainsi parmi ses biens les plus précieux un certain nombre d'épées. Chez les Vikings, c'était une arme de prestige, et une bonne lame pouvait valoir jusqu'à 16 vaches laitières. Un guerrier maniant l'épée était un homme de statut élevé. Certains artefacts font froid dans le dos, car ils prouvent que les sacrifices étaient courants, et les offrandes n'étaient pas que des animaux. Voici un crâne et des ossements retrouvés dans une tombe qui contenait trois corps. Deux ont eu la tête coupée, sûrement lors d'un sacrifice. Comment en est-on sûr? Regardez bien les os. Oh, les marques sur les vertèbres. Mon Dieu. Ce genre de pratique devait choquer les chrétiens. Absolument. Cela correspondait à une vision du monde totalement différente de la leur. Pourquoi ont-ils été tués? C'était une forme de châtiment? Je ne pense pas. Le sacrifice était une offrande aux dieux. Si on trouvait que ce n'était pas assez de sacrifier une vache, on pouvait toujours se rabattre sur un esclave. Oui. Les funérailles de grands guerriers ou de chefs s'accompagnaient de sacrifices humains. D'ailleurs, la plupart de ce que nous savons des Vikings provient d'objets trouvés sur des sites funéraires. C'est donc cette piste que nos enquêteurs ont décidé de suivre. Après l'Angleterre, Jonathan est au nord du Danemark, sur le site d'un étonnant cimetière viking, à Lindholmøy. À la fin du 19e siècle, sous 4 mètres de sable, les archéologues y ont découvert des tombes extraordinairement préservées. Lars Christian Neurbach guide Jonathan dans cet endroit exceptionnel. C'est très impressionnant. On est au sommet d'une colline, l'endroit rêvé pour être enterré.
C'était un cimetière tout à fait normal. Il a été préservé grâce aux dunes. Ici, il y avait 4 mètres de sable. Plus de 2 fois ma taille. Oui, tout était recouvert. Jonathan est intrigué par l'agencement très particulier des pierres. Elles dessinent des cercles, des triangles, des bateaux. À première vue, toutes ces pierres semblent en vrac. Mais un peu comme à Stonehenge, elles sont bien ordonnées. Les triangles étaient pour les hommes, les cercles pour les femmes, les formes de bateaux pour les hommes aussi. On le sait grâce aux artefacts qui ont été retrouvés sur le site. Cette tombe en forme de bateau est plutôt grande. Si j'étais inhumé ici, j'aurais pas besoin de toute cette place. Surtout que vous auriez été incinéré avant. Chez les Vikings, le bûcher funéraire traditionnel était constitué d'une plateforme supportée par 4 piliers de bois sur laquelle le défunt était allongé. Dessous, un feu était allumé. Tout était calculé pour que le brasier soit intense. Après la crémation, les cendres du défunt étaient enterrées avec des offrandes destinées aux dieux à l'intérieur du cercle de pierre. À Stockholm, Elena va justement découvrir le genre d'offrande qu'on a pu trouver dans les tombes vikings. L'une d'elles est plutôt inattendue. Qu'est-ce qu'on a ? Quelques broches et puis ce Bouddha. Ça alors, un Bouddha en Suède. Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est une vraie trouvaille. Il vient du nord de l'Inde, probablement d'un échange commercial. Les fouilles de tombes vikings ont souvent mis au jour des objets de régions lointaines, comme l'Amérique du Nord ou l'Inde. Et comme l'histoire n'a gardé aucune trace de raid viking dans ces deux endroits du globe, il paraît certain que ces objets sont arrivés en Scandinavie par la voie du commerce. Apparemment, ce peuple avait tissé un réseau très étendu, et il était bien plus avancé que beaucoup peuvent le penser. C'est sur l'île de Björkö qu'Elena poursuit son enquête. Il y a 1200 ans se dressait ici le village de Birka, un port très actif sur la côte baltique. Elle est accueillie par Björn Ambrosiani, le directeur du projet Birka, et l'un des meilleurs experts mondiaux sur les Vikings. En raison du climat humide de l'île, les bâtiments en bois du village médiéval ont disparu depuis très longtemps. Jadis, il recouvrait l'équivalent de 30 terrains de football. S'appuyant sur les vestiges encore en évidence, Björn a reconstruit une maison du village. Là, c'était le magasin ou l'atelier. Ici, c'était la pièce à vivre. Le foyer était à même le sol, et il y avait des banquettes sur lesquelles on dormait et où on travaillait pendant les longs mois d'hiver. Combien de personnes logeaient ici ? 6 à 8. Bien que d'apparence modeste, ces maisons étaient tapissées de draps de laine, de fourrures et de tissus. Cela permettait à leurs occupants de supporter le froid glacial de l'hiver. Les artefacts retrouvés à Birka lèvent le voile sur un aspect souvent occulté, le savoir-faire artisanal des Vikings. Comment sait-on qu'ils coulaient du bronze ou qu'ils avaient des forges ? Parce qu'on a retrouvé environ 25 000 fragments comme celui-ci. C'est un morceau de moule en argile avec des motifs. Sûrement un fragment du moule qui a servi à couler de belles broches en bronze, comme celles que portaient les femmes au quotidien. Le nombre incroyable de fragments de moules d'argile trouvés à Birka suggère que les artisans ne travaillaient pas seulement pour le marché local, mais aussi pour des échanges plus lointains. D'ici, plusieurs routes commerciales rayonnaient vers la Russie, l'Europe, le Moyen-Orient et jusqu'en Inde et en Chine. Birka était un carrefour international. L'activité florissante du village a bien sûr attisé certaines convoitises, et il a fallu organiser la parade. Ces talus importants, séparés par un fossé, c'est une fortification ? C'est ce qui reste du rempart de la ville. À cet endroit se dressait une des anciennes portes. Sur la levée de la terre, il y avait une palissade en bois, on en a la trace. C'étaient les fortifications de la ville.
les remparts protégeaient plus de 44 hectares de terrain. Leur existence souligne un malentendu persistant lorsqu'on parle des Vikings. Car s'ils ont été édifiés, c'est justement pour protéger les habitants de ceux qu'eux appelaient les Vikings. Ces défenses sont impressionnantes. C'est vrai. Pourquoi des Vikings se défendaient-ils contre d'autres Vikings? Birka n'est pas une ville viking. C'est une ville de l'époque viking. Les Vikings étaient des pirates qui partaient piller. Si le nom viking a été appliqué à toute une civilisation, il ne représente en fait qu'un groupe d'individus. Aller faire le viking, c'était partir pour un pillage. Si je comprends bien, c'est à tort qu'on appelle les habitants de Birka des Vikings. C'était des marchands plutôt pacifiques. Les Vikings étaient plus une sorte d'élite guerrière, des pirates, des bandits. Exactement. Birka était une importante plaque tournante sur la Baltique. Puissamment défendue, elle est demeurée prospère pendant 200 ans, repoussant toutes les attaques. Puis vint l'heure du déclin. Le niveau de la mer baissa et le port devint impraticable. La navigation qui avait enrichi la ville ne pouvait plus l'atteindre. Birka fut abandonnée. À présent, intéressons-nous à l'invention qui a permis l'épopée viking. Le bateau long, ou langskip. Ces navires de conception révolutionnaire pour l'époque ont emporté de vaillants explorateurs plus loin qu'aucun Européen avant eux. Près des côtes scandinaves, les bateaux longs étaient une arme porteuse de mort et de destruction. Cap sur la Norvège, au musée des navires vikings d'Oslo. Jonathan est venu voir le bateau d'Osberg, découvert en 1903 sous un tumulus funéraire. Vieux de 11 siècles, il est pourtant intact à 90%. C'est le plus vieux navire viking à disposer encore de son mât, pour le plus grand bonheur des archéologues. En ajoutant une voile à ce qui n'était à l'origine qu'un bateau à rames, les Vikings augmentent sa vitesse, passant de 5 nœuds à plus de 10. Ils ont désormais la possibilité d'entreprendre des voyages au long cours. Jonathan aimerait savoir comment le mât est construit. Pour cela, il rejoint Bjart Orset, un expert en charpenterie de marine viking. Bjart a décortiqué le savoir-faire des anciens et lui explique en quoi leur approche était novatrice. Quelle est donc cette pièce-là? C'est la cale de mât. Mastfisk. Mastfisk. La cale de mât. Je vois. Et là? C'est un modèle réduit de mât. Oui, c'est une reproduction à petite échelle. Le mât se met là-dedans? Oui. Et cette cale bloque l'ensemble. Ok, alors là, plus rien ne bouge. Non. La cale de mât maintenait le mât en place. Sa forme oblongue était prévue pour répartir la poussée du vent de façon homogène le long du bateau. Et ainsi, d'éviter la casse en cas de fort coup de vent. Ce système amovible permettait aux bateaux vikings de démâter pour passer sous les ponts. Cela dit, naviguer à bord de ces embarcations n'était pas à la portée du premier venu. Knut Posche, un expert en bateaux vikings, nous dit pourquoi. Où se trouvait la ligne de flottaison? Au niveau de la partie saillante. Ici? Oui. Ça veut dire que si le bateau donnait de la bande à plus de 9 degrés, c'était le naufrage. La marge de manœuvre est vraiment très mince. Même après 11 siècles, le savoir-faire des charpentiers saute aux yeux. Tout est extrêmement bien conservé. Le fer n'a pas rouillé. Ce sont les rivets d'origine? Tout à fait. Ces rivets sont en fer des tourbières, un métal inoxydable. Mais le matériau le plus important est sans conteste le bois de la coque. Elle est entièrement en chêne. Et combien d'arbres fallait-il pour construire un bateau de cette taille?
Sans doute autour de 80. 80 arbres? C'était un sacré investissement. Ça devait coûter cher, oui. Les flottes étaient importantes? Certaines archives parlent de flottes de 50 à 100 navires. 80 arbres par 100, ça fait 8000. Les forêts ont dû souffrir, hein. Sachant qu'un chêne met 150 ans à atteindre sa taille adulte, il est clair que la construction des navires vikings dans cette essence a eu un impact sur le paysage et sur la navigation. Ces embarcations sont emblématiques de l'esprit viking. Croyez-moi, ce navire millénaire force le respect. Il démontre leur savoir-faire, leur habileté et surtout leur détermination. Le musée de Roskilde, au Danemark, est sûrement la plus belle vitrine du talent et de la volonté des constructeurs de bateaux vikings. C'est ici qu'Elena espère découvrir comment le design révolutionnaire de ces langskip, ou bateaux longs, a bouleversé la société scandinave. Elle est accueillie par Touré Möller, un charpentier qui construit des bateaux selon les techniques d'époque. Vos outils sont proches de ceux utilisés à l'époque des Vikings? Autant que possible. On se réfère à ceux découverts lors des fouilles. Il arrive qu'on ne trouve pas les outils dont on a repéré la marque sur les bateaux originaux. Et sait-on quel était le système de mesure en ce temps-là? Malheureusement, non. Il y a plusieurs théories, mais on recommence sans arrêt, jusqu'à tomber juste. Ils avaient des mesures bien à eux, donc. Combien de temps faut-il pour achever un bateau long comme celui-ci? Là, ça a pris 4 ans et demi et 5 hommes. J'imagine qu'ils étaient plus nombreux sur un chantier. Plus de charpentiers. La construction d'un navire mobilisait beaucoup d'hommes et beaucoup de ressources. Le musée de Roskilde expose plusieurs embarcations mises au jour dans les années 60. En compagnie d'Anton Englert, le conservateur du musée, Elena passe en revue plusieurs bateaux de l'époque viking. Ce navire de guerre est un must absolu. Des décennies de tâtonnements ont abouti à cette forme presque parfaite. C'est un vrai langskip, un navire de guerre viking. Oui, c'est un grand vaisseau taillé pour l'attaque. Quel que soit leur nom, les bateaux vikings partagent des caractéristiques communes. D'abord, la quille est d'un seul tenant et va d'une extrémité à l'autre. Sur les varangues, un plancher est fixé avec au centre une grosse pièce de bois dans laquelle vient s'encastrer le mât. Les bordages sont posés à clin, c'est-à-dire que les planches de la coque se recouvrent comme les ardoises d'une toiture. Un navire de guerre mesure généralement 3 mètres de large sur 30 mètres de long. Il est équipé de porte-boucliers, possède des rames, un gouvernail, un mât, un gréement et une voile. Celui exposé à Roskilde transportait 70 à 80 vikings, dont 60 se relayaient aux rames. Son faible tirant d'eau lui permettait de naviguer en eau peu profonde. Ce vaisseau avait un tirant d'eau d'un mètre maximum, ce qui lui aurait permis de remonter n'importe quel fleuve d'Europe. C'était donc des navires très polyvalents, dans le sens où on pouvait traverser l'océan avec, faire du cabotage et même s'aventurer dans les terres. Oui, ils étaient pratiquement amphibies. Cette polyvalence fait leur succès. Elle permet aux Vikings de remonter les voies navigables et de viser des objectifs éloignés des côtes. Mais comment se passait la vie à bord? Hélène visite une réplique. Ce n'est pas vraiment un 4 étoiles. Le pont est exigu. Et les 60 à 80 personnes qu'il y avait à bord n'avaient pas vraiment d'endroit privé. Et où rangeait-on l'eau et les vivres pour tant de monde? Comme vous le voyez, il y a très peu de place sous le pont. Et le lest en occupe une bonne partie. Donc une fois l'armement chargé, on ne pouvait emporter des vivres et de l'eau que pour 2 semaines. Pas plus. Tous les 15 jours, il fallait toucher terre et réapprovisionner? Oui.
Malgré le manque d'espace, ces navires étaient taillés pour l'exploration. Des chefs vikings comme Éric le Rouge et Leif Erikson se sont appuyés sur leur robustesse pour se lancer dans de longs voyages. Le rayon d'action, la vitesse et l'agilité de leurs bateaux ont largement contribué à donner l'avantage aux équipages vikings sur leurs ennemis. De pilleurs, les guerriers scandinaves se sont changés en envahisseurs au tournant du 9e siècle de notre ère. En l'an 865, Ivar le Désossé, un chef de guerre viking, rassemble ce que les chroniqueurs appelleront la Grande Armée païenne. Sa cible, York, riche capitale de la Northumbrie, un royaume au nord-est de l'Angleterre. Jonathan visite la ville moderne pour se faire une idée de l'offensive viking. En 866, une flotte de bateaux vikings est signalée sur la rivière Ouse. 70 ans après leur raid sur Lindisfarne, les guerriers scandinaves reviennent en nombre. Cette fois, les règles du jeu ont changé. Ils ne viennent pas simplement piller la ville, mais la conquérir. L'attaque est brutale. York est soumise et sa population en grande partie massacrée. Mais la cruauté des assaillants va plus loin. Ile était le roi de Northumbrie et sa capitale était York. Bien sûr, il s'est opposé à la campagne de conquête menée par Ivar le Désossé, ce qui lui a valu, une fois capturé, de subir le supplice de l'aigle de sang. En gros, on lui a découpé les côtes, puis déployé la cage thoracique comme les deux ailes sanglantes d'un aigle. C'était un sacré message adressé à la population de York par les Vikings. Voilà le sort réservé à ceux qui se dressaient sur leur chemin. Après avoir investi la ville d'York, Ivar la rebaptise Jorvik. Pour les Vikings, c'est une prise de choix. La cité est située au confluent de deux rivières et leur ouvre les portes du commerce dans les îles britanniques et en Europe. Ils s'y installent durablement. La ville moderne recèle d'ailleurs les traces de leur occupation. Les noms de rues donnés par les Vikings il y a 1000 ans subsistent encore. Il y a Nesgate, la rue qui mène au promontoire. Micklegate, la grande rue, ce qui donne une idée de sa taille à l'époque. Et puis Coppergate, l'endroit où on fabrique des coupes, probablement la rue des artisans. La York Viking est encore bien présente. Sous la rue moderne de Coppergate, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Incroyablement préservées dans le sous-sol gorgé d'eau, des habitations vikings du Xe siècle ont été mises au jour. Le centre viking de Jorvik présente ses vestiges. L'archéologue Richard Hall les décrypte pour nous. Alors Richard, vous vous êtes retrouvé avec 8 maisons vikings sur les bras ? Oui, c'était passionnant, surtout de les retrouver dans cet état. Personne n'a jamais rien découvert de tel. Ici, on a les bâtiments d'origine en 3 dimensions. Il y a bien 1,80 m sous plafond. Les poutres sont admirablement conservées. La charpente, intacte, permet de comprendre comment cet édifice a été construit. D'abord, une cave a été creusée à environ 2 mètres de profondeur et tapissée de traverses de chêne. Puis de solides montants ont été disposés à intervalles réguliers. Entre ces montants, des solives étaient destinées à supporter le plancher du bâtiment. Je ne vois aucune fixation, aucune cheville. Comment est-ce que ça tient ? Grâce à la pression, il n'y a ni clous ni chevilles en bois. Les poutres se bloquent les unes les autres. Aucune fixation métallique ? Non. On distingue parfois la trace laissée par un outil, quelques vermoulures. Tenez, regardez en haut de ce montant. Vous voyez le trou au milieu du bois ? Il y avait sûrement son jumeau de l'autre côté de la pièce, avec une solive entre les deux, qui supportait le plancher du rez-de-chaussée. La conception est basique, astucieuse et très simple. Ce sous-sol était bien pensé. Avec quelques matériaux, il assurait une fondation solide. Au-dessus, des matériaux en chêne étaient emboîtés dans les poutres maîtresses pour fermer le bâtiment. Le tout était surmonté d'un toit de chaume.
À la lumière de cette découverte, voici à quoi aurait pu ressembler Coppergate à l'époque viking. Les maisons s'alignaient le long de la rue. Dans les sous-sols, des ateliers d'artisans fabriquaient les articles vendus dans cette ville commerçante. En plus des bâtiments, des milliers d'artefacts admirablement conservés ont été retrouvés sous Coppergate. Grâce à eux, nos connaissances sur cette époque progressent. Ce sont les joyaux de votre collection. En tout cas, ce sont les objets les plus complets et les plus beaux que nous ayons. Regardez cette chaussure de l'époque viking. Elle est magnifique. Regardez ces marques arrondies. C'est l'empreinte des orteils de son propriétaire. On peut deviner s'il souffrait de corps ou d'un oignon. C'est quoi ? Le pommeau d'une canne ? Eh bien non, c'est un excrément. Les archéologues récoltent des choses étranges, voyez-vous. Mais ce sont de vraies mines d'informations sur ce que les gens mangeaient à l'époque viking, par exemple. On a trouvé des bols en bois comme celui-ci. Coppergate, c'était la rue où on fabriquait ces objets. Ils mangeaient dedans. Chaque essence avait une utilisation bien précise. C'était des pros du travail du bois. Ça, c'est du bois de serre, le plastique de l'ère viking. Ça veut dire qu'ils ne gâchaient rien. Non, ils utilisaient toutes les matières premières à leur disposition et en tiraient le meilleur parti. Après un saut en Scandinavie pour se représenter l'univers des vikings, c'est finalement à York que Jonathan en rencontre un vrai. Enfin, me voici face à un viking. Face à un habitant de Jorvik, il y a 1000 ans en tout cas. Et victime d'une mort violente. Regardez son squelette, vous y remarquerez toutes sortes d'encoches et d'ébréchures. Toutes ont été causées par des coups d'épée. Cela laisse penser qu'il est mort lors d'un combat. Nombreux étaient ceux qui convoitaient la ville d'York. Les gens d'ici ont dû défendre leur indépendance plus d'une fois. Un grand nombre d'ossements trouvés à York portent clairement les marques de blessures de guerre. La coupable la plus fréquente était la hache de combat. Sous la loi viking, le royaume de Jorvik devient un important carrefour commercial et surtout une tête de pont pour les conquérants venus de Scandinavie. À sa mort en 873, Ivar le Désossé portait le titre de roi des hommes venus du nord en Irlande et en Île-de-Bretagne. Son royaume était immense. Mais alors que la conquête viking redessine la carte de l'Europe, un changement profond affecte la société scandinave. Pour en savoir plus, cap sur le Danemark. À Roskilde, Helena est sur les traces du roi Harald à la dent bleue qui, au Xe siècle, a imposé le christianisme au Danemark et à ses états féodaux. Harald est l'image même du viking dans toute sa splendeur. Grand, vaillant et endurci au combat. Mais il est tiraillé entre deux cultures. Bien que né païen, il s'est converti au christianisme. Pour imposer sa vision d'un Danemark unifié et chrétien, il ordonne la construction d'une série de forts circulaires afin de tenir en échec les clans scandinaves qui s'opposent à lui. Les archéologues ont déjà identifié 4 de ces forts, comme celui de Trelleborg, où s'est rendue Helena Amro pour comprendre leur construction. Un expert de ces forteresses, Mads Sterno, lui sert de guide. La construction a débuté en 975 dans le cadre d'une forte mobilisation des hommes d'armes au Danemark. Même si on n'a aucune trace écrite de ce qui a poussé Harald à édifier ses forteresses, on sait à peu près quelle idée il avait derrière la tête. Exactement. On entre ? Volontiers. Depuis les remparts, la vue sur le site est imprenable. Au-dessus de la levée de terre, il y avait une palissade de bois. Oui, tout à fait. Un chemin courait au sommet des remparts avec des ponts qui enjambaient les portes du fort. Et ça permettait de positionner des hommes tout autour en cas d'attaque. Voilà à quoi devait ressembler cette impressionnante forteresse vue de l'extérieur. Entourée de remparts de plusieurs mètres de haut, elle était gardée par l'élite des troupes.
On pense que 400 à 500 guerriers étaient casernés ici, certains probablement avec leur famille. Ça n'était pas qu'une base militaire. Le fort était aussi une petite communauté. Les forteresses circulaires sont des centres de contrôle régionaux. Elles symbolisent la puissance d'Harald à la dent bleue, et c'est ici que l'impôt est acquitté. Il y avait des fermes alentour qui alimentaient le fort. Oui. En fait, le roi et son armée passaient de forteresse en forteresse. Quand ils avaient épuisé les réserves de l'une, ils allaient à l'autre. Si je vous suis bien, le roi sillonnait le pays et engloutissait les impôts. Exactement. La construction de ces forts a lourdement pesé sur le pays. Le seul site de Trelleborg a sûrement mobilisé des centaines d'ouvriers pendant plus de 6 ans et nécessité plus de 9000 chaînes. Ça a été un travail immense. Au moins 1000 personnes se sont attelées au chantier. Les fortifications consistaient en un anneau de 134 mètres de diamètre. La levée de terre, large de 17 mètres et haute de 7, était bordée de fossés de 4 mètres de profondeur, hérissés de pieux. À son sommet, une palissade et un chemin de ronde complétaient l'ensemble. Depuis les quatre portes, les routes d'accès convergeaient au centre du cercle, formant une croix gigantesque, le symbole de la chrétienté. Le seul qui pouvait la voir, c'était Dieu dans le ciel. Jonathan Foyle, lui, explore la forteresse de Firkat et s'interroge sur le mode de vie de ses habitants. La forteresse circulaire de Firkat est identique à celle de Trelleborg. La même levée de terre circulaire avec des portes aux quatre points cardinaux. On la croirait dessinée à l'emporte-pièce. Les vestiges des fondations et les divers objets trouvés sur le site en disent long sur l'époque d'Harald à la dent bleue. Comme l'explique Els Rosdahl, spécialiste de l'histoire scandinave. Les artefacts mis au jour donnent une dimension humaine au site. Que vous ont-ils appris? Le plan de la forteresse est très régulier, ce qui suggère un usage purement militaire. En revanche, la répartition des objets nous apprend que même si les maisons étaient identiques, elles avaient des fonctions différentes. Ce type de fort très particulier est né d'une situation politique singulière. On a cherché dans le monde entier et on n'a rien trouvé de semblable. Grâce aux fouilles réalisées à Firkat, les archéologues ont pu construire une réplique des maisons longues qui se dressaient ici. Longue de 28,50 m, large de 7,50 m au centre et de 5 à ses extrémités, elle est étayée par plus de 50 poutres. La maison longue est au centre de la vie sociale. La reconstitution réalisée à Firkat permet d'affirmer qu'un tel chantier demande autant d'efforts et de savoir-faire que la construction d'un bateau long. Jonathan s'interroge sur leur forme si particulière. Je suis absolument fasciné par cet univers. Le bois est omniprésent. On se croirait dans une tente en bois. On ne voit que le bois ou l'obscurité. Tout est en chêne massif. Les poutres sont profondément fichées dans le sol. Ils étaient passés maîtres dans tout ce qui touchait au travail du bois. Pourquoi les murs sont-ils incurvés? Il y a plusieurs théories là-dessus. On dit que c'est un rappel de la forme des bateaux, mais c'est peu vraisemblable. C'est peut-être parce que ça dégage plus d'espace autour du feu. Une visite à l'intérieur donne une idée de la vie dans ces maisons. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'être le plus près possible du feu. À l'époque, qu'est-ce qui se passait ici? Autour du feu, il y avait souvent des spectacles. On venait écouter des conteurs ou admirer des acrobates, ce genre de choses. Sous le règne d'Harald à la dent bleue, Firkat était une forteresse monumentale, taillée pour la guerre. Mais en temps de paix, c'était aussi la clé de voûte de toute une société. Pourtant, à la mort du souverain, le site sombre peu à peu dans l'oubli. Une révolte païenne, menée par Sven à la barbe fourchue,
le propre fils d'Harald, signera la fin des forteresses circulaires. Sven, à la barbe fourchue, a mené la rébellion contre son père, qui a été tué. Le nouveau pouvoir en place ne voulait pas de ces forteresses qui ont été abandonnées. Ces structures ont été des échecs, de magnifiques échecs. Vous parlez d'échecs, vous qui connaissez si bien ces endroits et qui les aimez tant. La forteresse de Firkat offre aux visiteurs un aperçu de la vie dans ses camps fortifiés, mais aussi du monde viking au tournant de son histoire. En 250 ans à peine, les sociétés païennes du Nord se sont changées en royaumes chrétiens. Ces gens-là étaient des guerriers et des conquérants hors pair, qui se sont établis jusque par-delà l'Atlantique Nord. De fait, les descendants d'Harald ont régné sur un empire qui incluait l'Angleterre, la Norvège et le Danemark. Les Vikings se sont installés un peu partout en Europe et bien au-delà. L'influence de ce peuple, bien qu'entachée par la violence des premiers raids, a été renforcée par les liens du commerce. Elle est le fruit d'un immense savoir-faire et d'une parfaite maîtrise de la navigation. Aujourd'hui encore, des milliers d'indices nous prouvent que le monde des Vikings n'a pas été englouti dans les oubliettes de l'histoire. Leur faculté d'adaptation leur a permis d'épouser le changement. Ils ont bâti une civilisation tournée vers l'avenir, nourrie par des techniques toujours plus avancées et motivée par la quête de la prospérité. En 3 siècles, ils ont fait grandir un empire dont les traces sont toujours visibles, celui des Vikings.